Paradis Brewery, spécial, star en vacances. Ici, Oprah Winfresh. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une très bonne amie, soi-disant chanteuse, Céline Dio, et d'une jeune demoiselle devenue star grâce à son héritage, Paris Hilltart. Hello. Nice to meet you. Alors, Céline Dio, qu'est-ce que ça vous fait d'être là parmi nous? Alors, tout d'abord, je tenais à m'excuser d'être dans cet état-là. Je descends du jet, je n'ai pas eu le temps de me changer. Mais si à dire que je suis très contente d'être là, et je leur dis, je suis bien contente d'être là. On a bien compris. Ça s'est bien passé, je suis venue avec Chanel, mais il fait very, very chaud ici. J'ai fait very much shopping and I love... la France. Et à propos de votre petite escapade... Stop, please. C'était pas molle, hein, c'était vraiment pas molle. Malheureusement, mes enfants, René Charles, Andy Nelson, m'ont beaucoup manqué. Mais heureusement pour nous, notre amie Beyoncé nous a préparé un petit récapitulatif. Je vous laisse découvrir ça en images. Aller à Paris, c'est trop beau, j'adore. D'ailleurs, je veux faire un gros bisou à Oprah Winfresh. Love you, my friend. Love you, baby. Suivez-moi. Oh my god! Alors là, so, génial! So c'était génial! It was just amazing. Loin de ce monde de requins, nous voici au pays de la fête du hareng. Etretat, qui, avec son patrimoine géologique et culturel, a fasciné bon nombre d'artistes avec un vrai talent comme Offenbach, Maupassant, Alphonse Karr. La ville, sans prétention, séduit toujours énormément de people anonymes qui affluent des quatre coins de la planète pour visiter des halles qui abritent des artisans d'antan. On aime y flâner, porté par l'odeur des crêpes chaudes. Un parcours qui se termine par l'étonnante aiguille creuse, la star de la région.
Et bien que l'endroit ait servi de décor aux plus gentlemen des cambrioleurs, il n'a pas volé sa réputation. Et tout de suite, une page de pub. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette poussière? Attends, j'ai mon souffleur. Ah, ça va mieux. Souffleur! Vous avez le mal des transports? Eh bien, utilisez le sac à gerbe 4000. Ce sac est en tissu imperméable et indéchirable. Ce sac contient les mauvaises odeurs grâce à son effet fébraise et son système refermable. Ce sac est disponible en différents coloris. Commandez-le au 801-47-20. Sac à gerbe 4000, régurgité en tout confort. Pas d'odeur, super. Après cette petite page de pub, nous reprenons notre émission. Après ça, vous savez, avec Rihanna, on a fait une big party pour inaugurer ces nouvelles photos au musée de la photo in Paris. C'est un très joli endroit, vous savez, hein, mais ça manque d'une touche américaine, vous savez. Enfin bref, voyons tout de suite ça en images. Bonsoir Oprah Winfrey. Je viens de découvrir, au cœur de la capitale, le majestueux hôtel Hainaut de Cantobre du XVIIIe siècle qui abrite la Maison européenne de la photographie. C'est un lieu pour découvrir les grands artistes de l'histoire internationale de la photographie, de la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours. Une façon originale de mettre en avant les trois supports essentiels de la photo. Le tirage d'exposition, la page imprimée, le film. Tout cela m'a donné envie de faire des images. Et maintenant, on se quitte en images avec le reportage du karting et en exclusivité pour Paradis Brewery, la dernière grosse production de Quentin, Galvin et Karim. Non, non, tu passes pas. Laisse-moi une bouteille. Oh là là, il est chiant. Ouais. Vous faites quoi, sinon, ce soir? Bah, il y a que cette gueule. Ah, mais pour le karting. Ouais, et on va aller voir. Qu'est-ce qu'ils étaient gros quand même. Non mais les gars avec sa mèche sur le côté là. Oh, oh, ouais. Mais... sacré de tueur aussi. Wow. T'as vu ses cheveux blonds comme ça là. Très oh, soyeux. Oh, et leurs yeux bleus. Il faut qu'on fasse quelque chose. On va aller voir. Allez, oh, non. Allez, non, quand même. Allez, on va aller voir. À quatre. Allez, on va aller voir. Salut, ça va? Ouais. Et ça va? Vous avez remarqué hier, mais on n'avait pas le temps de parler après le foot. Dommage. Non, mais en fait, c'est surtout que vous nous avez tapé dans l'œil. À ce point-là? Surtout toi, t'as beaucoup de charme. Ah, merci. Et sinon, t'as pas un 06? Ouais, j'en ai un, ouais. 06? Ouais. Doucement, doucement. Oui, j'avoue, t'arrives quoi là? Arrête ça, non? Hé, hey, ça fait qu'une semaine qu'on est ensemble, hein, s'il te plaît. Bah, je suis désolé, tu vois, mais je pense pas que mon copain il soit d'accord. Ouais, non, sinon. Ouais, je crois, on va faire ouais. Ça en fait. Ouais. Ok, bah. Bah ouais, ça, salut. Elles sont sérieuses là. Elles sont comme ça. Eh les gars, vous êtes gays là? Là, regarde leur dégaine. Non, mais attends, regarde les tests, s'il te plaît là. Non, franchement, j'avoue, il y a des limites là aussi. Ouais. Arrête, franchement, il y a des limites. Eh, bande de berlou les gars. Je pensais pas qu'ils étaient gays, hein. Mais en même temps, on peut s'en douter, hein. Vu leur façon de jouer au foot, c'est sûr. Non, mais et comment ils sont coiffés, surtout? Ah, bref, ils étaient pas faits pour nous, quoi. Ça, c'est sûr! Bonjour à toutes et à tous. Je suis ici pour présenter la course de kart, le championnat du monde, en compagnie de Roland et Thierry. Bonjour. Alors, les grands favoris sont Léo, Aurélien, Quentin et une bonne pilote, Clara. Qui a fait une très bonne saison chez Ferrari, tout comme Léo. Léo qui a changé deux fois d'écurie
Bon, c'est un choix, mais ça doit être difficile à assumer dans une saison, c'est assez dur. Pour l'instant, 4 victoires pour Léo et seulement une pour Aurélien. Je pense que Léo a vraiment envie de gagner cette course. Quentin, très assidu durant les trois dernières courses. C'est le départ, nous sommes à bord. Oh là là, attention, accident dès le départ. Oh là là là, c'était très chaud. Incroyable. Attention, le 35 qui décroche le 36. Le virage serré. Oh là là, attention, attention. Eh non, c'est toujours pas de dernier. Oh là là là. Il y a vraiment un duel entre le 35 et le 36. La 18. La 18, Clara. Oui, je trouve que cette course est très rapide, vraiment. Pour le moment, par rapport à certains. Il y a beaucoup de mouvements dans la course, c'est assez impressionnant. Oh là là, attention. Quelle déception. Oh là là là. Celui-ci fait partie des favoris. Mais là, on lui donne un peu d'aide pour ressortir. Oh là là, il a dû faire un combat très serré contre le 36. Il lui explique 36, ce qui lui est arrivé. À ce niveau-là, c'est fichu maintenant. Allez, le coach il va avoir du mal à repartir. Le coach est là mais pour bon, allez, il y va. C'est pas grave. Il perd des places, mais il repart dans la course. Oh mince, attention, hein, Clara. Oh là là, elle doit être vraiment déçue. Hein. Je pense que là. C'est horrible. Dommage. Oh là là. Allez. Faut recommencer, faut continuer. C'est reparti. Elle est perdue. Elle s'accroche. Oh là là, les trois cartes en même temps. Les trois favoris. Attention, le virage où il y a beaucoup de têtes à queue. Jean-Michel, c'est quand même très angoissant cette course-là. Oh oui, les virages sont très très serrés. Ah oui, on sent vraiment une grande tension. Beaucoup de sensations. C'est très bien. Le tunnel. 36, Quentin qui risque de se faire doubler par le 32, le 30. Attention, petit dérapage. Oh là là là, 18, Clara qui continue. Toujours là, qui est derrière, qui a perdu beaucoup de place. Mais c'est Aurélien, il va prendre un tour d'avance. Ah, le numéro 26. Ah, il indique à ses coéquipiers. C'est fini ? C'est fini. La course est finie. Ils ont perdu, c'est fini. Le numéro 26, déçu. Ah, le numéro 40, Aurélien, qui a l'air assez content. Il est arrivé deuxième. Derrière Léo, qui était quand même grand favori. Il a gagné. C'est beau. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Paradis Bouvry Sport et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la grande course hippique à l'hippodrome de Biorel. Exactement. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'était Oprah Winfrey pour Paradis Bouvry.